Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4 La Voix de l'Américaine à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Nous comptons une fois encore pour Navarro, pour nous, actualité à quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, 24 heures après déploiement, un premier contingent policier Kenya dans le cadre de mission multinationale pour appui sécurité. Pays attend un deuxième groupe policier qui a sorti dans Nairobi, capitale pays Kenya. Dans le pays Kenya même, manifestants ont continué à fouler béton pour demander démission président William Ruto, malgré décision gouvernement prend pour le faire back sous projet finance qui a provoqué mouvement levé campissa. Dans Bolivie, arrestation générale en chef Lamea, Juan José Zuniga, après une tentative coup d'État contre président Luis Arce. États-Unis élection, premier gros débat à Soya avant élection novembre entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et actualité à mener nous dans le pays d'Haïti, côté 24 heures après un premier contingent et officier pays Kenya débarqué dans le pays d'Haïti. Et ben, et je dis encore, et ben, gen moun captain ou bien pays captain yon deuxième contingent, nous pral rejoindre Massado Vilme qui lui même t'es dans zone airport là matin. Nous jeudi 27 juin 2024, il était environ 11h du matin, les plusieurs journalistes te braqué caméra yo sous piste aéroport Saint-Louis-Vertine dans Port-au-Prince après nouvelle qui fait connait gagne un deuxième groupe policier Kenya qui t'a doué arriver dans pays dans cadre mission multinationale soutien à sécurité. Toutefois, nous sous place pour nous capable permettre de vivre deuxième atterrissage si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme et pendant ce temps on a cherché information avec plus précision sous éventualité pour ta gagner un deuxième déploiement ou bien deuxième contingent et policier cap sorti dans Nairobi capitale pays Kenya. Pendant ce temps gagner un spécialiste dans domaine sécurité ancien colonel Himmler Rebu qui dit l'attendre qui type de doctrine pouvoir en place la peut utiliser par rapport à mission internationale là qui commence à arriver dans cadre lutte contre gang armée. Nous sommes sur place où on a tout ça depuis Port-au-Prince. Premier ministre Garry Conille dit que le gouvernement l'emprunt reprend le contrôle du pays d'Haïti, caille en caille, zone par zone, grâce à GFOR, Force Sécurité Nationale, et appui mission multinationale soutien à sécurité en Haïti que le pays Kenya a dirigé. Ancien colonel Himmler Rebu, qui est un spécialiste dans le domaine sécurité, a un commentaire sur la question. Il dit caille. Pakay, quartier par quartier, ville par ville. Donc là, nous guettons nos moments opérationnels. Donc, moi, pas quoi, vous, le ministre, en parlant cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, on y a, nous-mêmes, nos populations, on a tant. Ancien colonel Himmler Rebu fait connaître, gouvernement et conseil présidentiel transition doit utiliser bon genre doctrine par rapport à mode opératoire y a gagné pour faire dans zone défavorisée yo faut moun ki nan gouvernement yo penser à aspect ça très sérieusement dans question hein pour cap d'abord déterminer la doctrine la stratégie à mettre en place ça les techniciens pour faire ça et ensuite mode opératoire pour utiliser sur terrain ça c'est technicien d'exécution qui pour faire ça et y a que toute instruction ça yo c'est ça pour permettre qui j'ai mené une enquête, qui j'ai fait filature, qui renseignement y a gagné, qui moyen y a gagné pour faire tout bagage ça. Et ensuite pour bay résultat. Mais ce qui est sûr, population lui-même, li konn nou tout gros bandi yo. Yo pa ka vinn tuer 15-20 moun que nou pa konnen et puis yo di nou problème de sécurité à résoudre. Parce que bandi yo connu, si yo pa tombé, et c'est pas dans cinéma pour di nou tombé, faut nous wè yo parce que nous konnen yo. Si yon pas tombé vraiment, yon pas cap di nou problème nan résoudre. Malgré tout, colonel Rebu dit communauté internationale là doit connaître ces bandits à costume yo qui tout problème là. Bandi intermédiaire yo c'est demi patron yo. C'est eux même nous connait dans vidéo cap danser avec quantité l'argent yo gagne, quantité piscine là avec club privé yo gagne, c'est bandi intermédiaire pas ouvre bandi là. Gen l'autre bandi que nous connait chita dans salon avec eux qu'on a fait interview avec eux. Des bandits, des gros papes, mettre bandits, c'est eux-mêmes qui mettent business là. Si nous pas neutraliser intermédiaire, les finis pour la justice, mettre code,
nan kou bien nan bras sa cravate yo c'est convenant faire laver monsieur à terre n'a prend pause gain une sécurité rétablie et puis problème nan pral lever puis devant donc kounya là c'est pour CPT a avec le premier ministre maré quand son garçon renan yo bien maré et puis kounya pour faire face à problème nan n'a suivre renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint, toujours gagné réaction cap tombé après arrivée premier contingent et policier pays Kenya dans cadre MMAS là. Et ben dans ville au Cap par exemple, deuxième ville pays, gagne plusieurs militants politiques qui battent bravo pour arriver premier contingent ça. Mais on dit au souhaiter que mission ça pas même avec l'autre mission qui était venue déjà dans pays d'Haïti. Gérard Maxino, c'est correspondant nous dans Cap Haïtien. 24 ans après, soldat pays Kenya yo rive nan pays d'Haïti, puis fort militant politique qui veut à Creole te parler avec yo mercredi 26 juin 2024 lan, bat bravo pour force internationale ça qui commencé prend forme li ici en Haïti. Cependant, militant politique ça qui t'accepte répondre question la voix d'Amérique dit yo espérer que force ça différent de l'autre yo qui déjà passé dans pays a arrivé tout comme ça en Haïti aujourd'hui a son soulagement nous dit soulagement c'est pas parce que nous retirer sens nationaliste nous sens patriotique nous et, mais c'est parce que pays arrivé nos niveaux côté insécurité arrivé auprès des sommets et la police là au Haïti montrer vraiment yo incapable pour résoudre problème non et bien force internationale ça te promet il vient accompagner et population y a venu accompagner force de l'audio pour traquer bandi yo et une fois arrivé et bien nous dit son soulagement pour pays a mais nous souhaitons que et c'est pas même bagaille qui était qu'on fait dans le temps par exemple en 1915 et 2004 et c'est pas même bagaille là nous prend conscience de problème non nous dit vraiment c'est vraiment un dernier accompagnement n'a demandé communauté internationale là son dernier accompagnement n'a prendre en main yo et agir avec conscience pour que c'est vraiment un dernier accompagnement pays frais ça baille moi même pour que nous gagnons force étrangère qui vienne aider la République d'Haïti dans situation que nous trouvons là nous trouvons dans une situation qui dépasse nous côté que force haïtienne yo pas qu'à combattre avec gangsterisation à outrance que nous gagne là il faut que nous gagne Nations Unies qui vienne aider nous de ce fait Kenya c'est lui qui a mené force là, il est arrivé avec 400 policiers là qui viennent déjà. Nous même dit bienvenue et n'a pas pour que yo démanteler gang à Sapatio et gang à Vest surtout. Parce que nous pas tant seulement pour démanteler gang à Sapatio, si c'est seulement gang à Sapatio dans 1 an 2 ans encore, il après tourner gang l'autre s'il a plu, après tourner gang l'autre iso, après tourner gang l'autre barbecue, faut que yo non seulement déraciner gang à Sapatio mais faire chercher gang à Vest, moun yo qui prend exam yo, moun qui gain douane la caillou, douane yo c'est dans la cour la caillou, qui prend attaque exam, qui prend attaque balle. Moun ça c'est ça au fait même comme commerce journée jodi a, yo quitter de côté la cocaïne pour que yo vendent zam dans pays a donc c'est ça qui fait au bien et ça fait société à mal côté mon a quitté caillou mon a quitté quartier yo. Donc nous pas ca vivre en paix et nous mandé à ce que force là li ratiboiser tout monde qui rentrer dans gangsterisation ratiboiser pour moi c'est une victoire quand même dans souhaité c'est un bon travail c'est pas bagaille comme ici et c'est pas bagaille traditionnel ou bien je vais vous faire parce que apparition est comme de se lancer nous pas dans sa bandit nous même bandit de cahier ce soit prison ou bien la mort selon militant politique ça yo Haïti pas qu'à continuer vivre dans violence et instabilité Gérard Maxino Cap Haïtien pour la voix d'Amérique. En pile monde a posé question sur qui premier point qui gagne dans agenda ou bien dans programme premier contingent Kenya. Yon question qui retenu attention collaborateur nous Valérie Saint-Louis depuis New York. Qui premier mission force police Kenya yo en Haïti. Premier contingent police qui gagne sipo Nations Unies te rive en Haïti mardi 25 juin. Presque 2 ans après que Haïti te fait demande pour une force comme ça entrer dans pays en urgence pour aider mettre l'ordre dans des ordres après que violence gang yo te envahi majorité zone à quartier dans Port-au-Prince là. Yon contingent de à peu près 400 policiers qui sorti dans pays Kenya te atterri sous piste aéroport international Toussaint Louverture l'an mardi passé.
Mercredi 26 juin 2024 là, Premier ministre provisoire pays a Gary Conille t'es visité une base côté que force là t'es logé tête li. Moi-même, je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. Mais des populations haïtiennes pour être vigilant, pour être confiant, n'a travaillé avec partenaires nous. Nous avons engagement tout partenaire nous, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingent qui peuvent venir supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé. Les populations ont continué, ont une patience. Nous avons été vigilants, nous n'avons pas avancé. Mais il n'est pas fini pour clair qui est la première mission force là et qui est la première pour l'accomplir dans l'immédiat. Force police a pris le pour faire face à gangyo qui très violent et qui contrôlait à peu près 80% capital là. Violence gangyo d'après rapport qui sorti forcé au moins 580 000 moun dans pays a courir sauver quitter caillou et abandonner quartier. N'a rappelé que ça fait 4e fois que yon gros force militaire étranger fait intervention dans pays d'Haïti. Merci Valerio. Et l'autre point qui est retenu, Val, et attention Valerio, c'est Rex Théâtre dans Port-au-Prince qui tournait Konya yon abri provisoire pour moun kap chèche côté priorité après que gang a me fait quitter Bolakayo. Valerio. Ancien local Rex Théâtre là qui a abandonné depuis longtemps dans Port-au-Prince tournait yon refuge pour plusieurs moun qui étaient déplacés à cause violence gang yon dans capitale pays d'Haïti. Pour moun qui en dedans espace là tant kou Roman Ferré qui c'est yon boss maçon. Lidi Kounia, avni li dépend en pile de mission maintien la paix sa qui appuyé par Nations Unies, qui dirigé par Force Police pays Kenya et qui t'est commencé rive dans pays a semaine sa. Nous ta espéré normalement pour que yo ta régler un bagage parce que nous vraiment nous en difficulté. Kay nous boulé. Et c'est là nous gen 10 mois là. Nous vraiment difficulté. Premier ministre haïtien Gary Conille t'a visité base police Kenya dans Port-au-Prince mercredi 26 juin. Il t'a dit que li clair que ça c'est commencement un nouveau commencement pour pays a et puis il mandé population prend patience et puis rester vigilant. Moi-même, je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. M'a mandé population haïtienne là pour être vigilant, pour être confiant. N'a travaillé avec partenaires nous. Nous avons engagement tout partenaire nous, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingent qui peuvent supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays. Nous. Donc nous n'avons pas avancé. Les populations continuent, continuent patience. Les collègues vigilants, nous n'avons pas avancé. Actuellement, la guerre en gang a déplacé plus passé 500 000 moun et presque 5 millions haïtiens dans le pays a fait face à une grosse insécurité alimentaire. Toujours en dedans local Rex Théâtre qui a abandonné depuis quelque temps, professeur Renzo Novanel te dit lui-même que livré que pays étranger cap intervenir en Haïti yo, que yo ta doit considérer misère moun qui perdi kayo, même gens yo pensé pour rétablir l'ordre dans le pays a. Parce que kay nous boulé, nous pas gen côté pour nous dormir, nous pas gen ken côté pour nous aller, nous obligé fouer tête nous là. Ça fait 10 mois que depuis nous là, nous en souffrance là, calamité là, un petit nous pas à l'école, en exilé dans pays, à l'homme ta aimé pour étranger, même gens que yo fait penser. Que ta met ton l'ordre dans pays, mais faut que ta font penser pour nous-mêmes qui dans en battant là. Parce que nous-mêmes nous subis, nous ta aimé jeune solution demain si je vais pour cagon à le mieux. Pour nous recommander qu'à sortir tête nous et de ça que nous est là aujourd'hui à là. N'a rappelé que pays Kenya t'est porté le volontaire pour diriger force là depuis mois juillet année passée. Cependant déploiement force là t'est retardé plusieurs fois par tribunal là dans pays Kenya avec toute violence gangue qui t'a augmenté et vin plus grave dans pays d'Haïti. Premier contingent troupes force pays Kenya est arrivé dans pays d'Haïti dans même moment que gros déblosage manifestation t'est pété la caillou et ça t'est créé un doute sur capacité pays Kenya pour diriger mission sécuritaire. Yo prévoit que force police Kenya a vienne en Haïti ensemble avec officiers police qui sorti dans environ 15 autres pays qui gagne la donne ça yo qui sorti dans zone l'Afrique à Caraïbes aussi bien que dans pays Canada, la France, Allemagne, Grande-Bretagne avec pays Espagne. Force sécurité yo pral formé avec un total de 2500 policiers avec un budget annuel de $600 million qui principalement financé par pays États-Unis. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et pendant ce temps, situation a été très compliquée. T'as coup Valerio Saudi là dans pays Kenya et actualité a mené nous dans pays Kenya. Oui,
Oui, manifestants yo toujours dans la rue pays Kenya malgré que président William Ruto lui-même l'a abandonné projet loi finance là. Yon jour après manifestation qui depuis violence saint ben dans pays Kenya après indépendance li dans l'année 1963. Gentil Augustin Junior. Président capitale la Nairobi réagit ak doute après président kenyan William Ruto te abandonné projet loi finance lan hier mercredi 26 juin 2024 la. Côté li te fait demi-tour pour couper devant pression manifestant yo qui te attaqué parlement. Lè yo te lancé manifestation dans tout pays a et yo menacé pour faire pi plus action semaine ça. Yo manifestant te di, he didn't have a choice. He président Ruto pas gen aucun choix. Li abandonné projet loi parce que li te konnen gen yon révolution ki t'ap vini nan peyi sa. Décision sa apparaît comme yon gros victoire pour yon mouvement protestation jeune qui te la depuis yon semaine. Yesterday Ruto declined and rejected the Hier, président William Ruto rejeté et puis abandonné projet loi. Jodi a nous voulons lui démissionner. Nous voulons lui démissionner dans poste li parce que nous pas fait lui confiance. Et puis tout député qui te supporté projet loi finance ça, ta doué aller la caillou. Nous pas voulons député ça yo paraît en public. Yo doué disparaître dans Kenya. Nous pas voulons wè tête yo devant nous. Ruto doué démissionner et puis aller la caillou. Nous pas voulons. Jeune yo bouqué ak li et nous pas voulons. Li pat clair. Nan ki point manifestant yo ta d'accord ak décision Ruto te prend hier mercredi a pour abandonner projet loi finance lan. Yon jou après déblozay ki te touye au moins 23 moun après manifestant te prend parlement en otage. C'est seulement yon excuse. Peut-être seulement pour acheter jeune messie yo et nous seulement espérer c'est tout bon. Li changer position li. Plusieurs centaines manifestants te rassemblé dans ville Mambosa dans pays Kenya ak dans ville qui soumis dans l'ouest là. Jeudi 27 juin 2024 là, la police te mette gros barrage devant palais présidentiel là dans capitale là Nairobi. Malgré président William Ruto te fait demi-tour sous projet loi finance là. Nous seulement vini ici là pour nous faire entendre voix nous même comme génération Z nous même comme moun Kenya nous faisons sel donc la police ta doit suspendre touyer nous pacifiquement nous pas armé moun a mouri et nous a souffri en bas main gouvernement ça manifestant yo te posé pi gros défi depuis 2 ans pour président Ruto. Ça qui t'est commencé comme opposition sur internet contre augmentation taxe que gouvernement t'est proposé ya. T'est vinn tourner rapidement un rassemblement en masse pour mander réforme politique, pillage et démission président William Ruto. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et oui, 2024 là c'est année électorale ici aux États-Unis et premier débat élection présidentielle entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump et ben l'a déroulé à soir dans Atlanta, Georgia et Jean-Robert Philippe a suivi très près pour nous gros événement ça, yo dit son gros duel gen pile média surtout en Europe qui dit son duel télévisé à haute tension qu'après le fait après-midi et grand pile décision qui prend pour débat ça Jean-Robert. Oui, tension élevée surtout parmi supporters de candidats et n'a dit que effectivement Jacques le président Joe Biden déjà arrivé dans Atlanta dans cadre débat ça que tout le monde a attendre et débat lié pourtant pour les deux candidats. Candidat qui marque plus points et bien il a gagne plus chance pour l'avancer plus bien dans campagne électorale là pour élection novembre 2024.
Donald Trump et Joe Biden a présenté la parole jeudi 27 juin à Atlanta, Georgie, dans le premier débat élection présidentielle novembre 2024. Là. Chaque candidat a demandé aux électeurs de voter pour candidat adverse. C'est capable d'une catastrophe. Inflation is raging, crime is out of control. Donald Trump, candidat parti républicain, a déclaré Joe Biden, candidat parti démocrate, là, c'est un win pour le pays. Inflation a augmenté, crime dépassé limite, Europe en chaos, Moyen-Orient a explosé, Iran vient pire, la Chine a valé terrain. Président Terib Sa a mené pays dans la direction d'une troisième guerre mondiale. All progress, all freedom, all opportunities at risk. En réponse, Biden déclaré qu'on est capable de faire pays à faire marche arrière. N'a risqué tout progrès, toute liberté, toute opportunité nous déjà fait. Trump a essayé de faire oublier moment sombre et troublant pays à te connaître pendant qu'il était sous pouvoir. Non pas jamais oublié. Sondage montré course électorale à serré entre deux candidats, ça qui montrait l'importance du débat. D'après professeur Alan Schroeder, cap ancien journaliste dans Northwestern University. I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms of the opportunity the debate presents to them, but also the risk. Le débat met une pression légale sur deux candidats, l'un considéré opportunité avec risque de représenter pour eux. Débat ça unique, à cause c'est pour la première fois de mettre face à face un président en exercice avec un ancien président, d'après professeur Kathleen Hall Jamison, qui a pensé communication dans l'université. So the public is more knowledgeable about both of these candidates. Public là a plus connaissance sur les candidats, comme individu, tempérament, habitude, avec disposition. Mais année ça, à cause de l'âge de candidat, il y a nécessité, même si on connaît l'âge de candidat, il est plus facile pour dire année ça, est-ce que l'âge de candidat prononcé assez et stable mentalement assez pour le président des États-Unis. Débat politique là gain pour avec message avec moment opportunité d'après analyste Brett O'Donnell. Got to drive a message consistently across the debate, but then you want to have a couple of moments in the debate. Message de consistant dans tout débat, mais vous voulez gagner un moment pendant le débat pour briller, pour capable attirer attention presse là, pour capable prendre avantage compétitif sous candidat adverse là. Débat 27 juin, c'est débat présidentiel qui fait pire bonheur dans l'histoire des États-Unis à cause ni Trump ni Biden pour qu'on désire officiellement comme candidat parti respectif. Pas gain déclaration d'ouverture. Mais qu'au candidat qui pas parlé a fermé jusqu'à ce que la prenne la parole. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Docteur Kouja Aubert Philippe dit nous, eh bien, c'est dans la convention, nous allons connaître officiellement qui monde qui prend le candidat pour le parti républicain avec ça qui prend le candidat pour le parti démocrate là. Nous parlons dans l'autre point qui a dominé l'actualité, nous parlons dans l'Amérique latine, surtout dans l'Amérique du Sud, dans Bolivie, arrestation générale en chef la mer, Juan José Zuniga, après une tentative coup d'État contre président Luis Arce. Sandra Lemaire, gain détail. Gouvernement bolivien te gen information comme quoi une tentative coup d'état t'a paré avant commandant militaire pire placé pays à troupes lio t'es forcé entrer dans palais présidentiel la semaine ça. C'est ça un ministre gouvernement déclaré jeudi 27 juin. Vice-président MAS la Gerardo Garcia accusé gouvernement d'est-ce que c'est lui-même qui complotait coup d'état. Si esto no haya sido un autogolpe en el momento que ha hecho las declaraciones Zúñiga, creo que ha sido el día lunes, ya el presidente debía cambiarlo de comandante y general de la Fuerza Armada. Tentative coup d'état raté mercredi a duré quelques temps et les déclencher condamnation vite et pressée leader tout partout dans le monde. Leader Sayo soulevé qu'à sauter de ce que pays Amérique du Sud ça a toujours dans danger. Unité militaire été mobilisée mercredi et puis prend direction place centrale La Paz là. Et puis après ça, essayer craser porte palais à qu'on blindé pour permettre soldats de courir entrer en dedans. Soldats ont fini par battre au retrait et la police te reprend contrôle place là. Président Luis Arce pas de perdre de temps pour nommer un nouveau général. Jodi a, c'est la police qui t'a veillé palais en bas la ville La Paz, mais moun te kawè impact zak violence qui te déroulé pendant tentative coup d'état devant quartier général.
Le leader coup d'État mercredi a toujours en bas corde. Partisans gouvernement ont été critiqués quoi et puis fait qu'on ait appuyé la démocratie. C'est incroyable que en plein siècle XXI, il puisse y avoir un intent de golpe. Il est incroyable que dans le 21e siècle, une tentative coup d'État a déroulé. Nous défendons le droit constitutionnel, là. Nous défendons le droit démocratique que tout Bolivien jouit. Nous faisons veiller qui dure toute nuit là. Luisa Torres, Van Journal, dans la rue. Nous avons ajustado bastante, no porque es un hecho lamentable que il dit nous te gain gros qu'a sauté parce que c'est un événement malheureux qui mettait la vie tout le monde en danger. Plus passé tout bagaille nous gain qu'a sauté pour simple citoyen yo. Machin yo peur parce que n'a vive de jour en jour donc ça préoccupe nous mais grâce à Dieu yo résout li et puis tout bagaille calme pour nous. Grâce à Dieu, ça solutionnado. Y estamos más tranquilos. Gen pire bolivien et puis interviewé qui accusé Arce d'être lui fabriqué un gros drame pour augmenter popularité li qui baissé en pile. C'est même bagaille général Soniga t'a dit. Evaristo Mamani, c'est un avocat et professeur. De lejos ha sido un autogolpe planificado, premeditado. Dit de loin ou ka wè c'est un bagaille bien planifié, un autocoup d'état ou regrettable. On t'y wè quelques collègues en voyez l'État qui t'a pris un dingue. Et bien si c'était un coup d'État tant pour ça nous te prend en 2019, y'a pas t'a capable de faire ça. Donc, nous quoi, y'a te connaît tout bagaille. Gen Bolivien qui t'a soulevé même doute ça y'a sur réseaux sociaux y'a tout. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Eh bien, ça c'est une femme qui saute banou un reportage sous coup d'État manqué dans le pays Bolivie. Nous connaissons jeudi, c'est rendez-vous avec Cause Femme. Et nous sommes tendre Sandra Lemaire là qui saute présenter nos reportages. C'est une femme. Faut dire que dans le service créole là, nous-mêmes, nous pas seulement travail devant computer, devant micro, devant caméra, à souterrain faire reportage, mais nous célébrer tout. Nous célébrer femme qui parmi nous, surtout nous pas grand pile, nous gain Marie Pierre avec Sandra Lemaire. Et hier nous t'ai gain occasion fêter, célébrer Sandra Lemaire parce que 19 juin c'était anniversaire, il part là avec nous, mais nous t'ai choisi hier pour nous t'ai passer un petit moment côté que nous fêter célébrer Sandra Lemaire. Nous pas célébrer seulement parce que en général nous tellement son famille nous est dans créole dans service créole là dans VOA créole là et mais fête yon c'est fête l'autre donc fête Sandra c'est fête pas nous et hier nous t'ai passé vraiment un moment de qualité ensemble pour que nous t'ap exprimer tout l'amour que nous gain pour lui et nous connaît que lui même tout lui grand pile l'amour pour nous tout en al garder ça vibrer. Nous connaît depuis et haïtien fêté papa gain manger et te gain bon manger et c'est monsieur yo dans service créole là et qui prépare toute belle bagaille ça yo que nous wè donc il faut dire que monsieur yo konn fêté et konn préparer manger yo la fois encore nous prend plaisir dans notre service créole là pour nous dire Sandra Lemaire bonne fête il t'a fêté 19 juin et il fêté même date avec petit bois donc nous comprenons joie particulièrement donc nous dit Sandra l'autre fois encore bonne fête et que nous remet en plus son plaisir tout pour nous travail avec Sandra Lemaire et que bien penser on pense spécialement Marie-Lise je connais Marie-Lise c'est chef cambise sans oublier notre grand ami Serge Rodriguez qui part avec nous. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme. Dans un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Eh bien, nous remercions Franklin, our good friend. Nous remercions, une impression, Joe Gibbs.
Jean Jobé qui était avec nous tout et nous dit Abela merci en pile. Moi c'est Jacques Lamélisère, passez une bonne fin de journée ou bien une bonne soirée. Et ben non, capitale haïtienne non et zone qui environne Lyon. Gagné une présence policière et monsieur dame la médaille yo yo vraiment mobilisé non capitale haïtienne saint ville Port-au-Prince et zone qui environne Lyon. Et mobilisation ça yo OK jeudi hein est-ce que n'ka dit que Ramon Ormil est-ce que n'ka dit DG France et DG pardon est-ce que n'ka dit PM Gary Conny pardon et France LB on dit m'yo ta dit soute mou m'ta dit m'citer non ba deto non mais c'est Gary Conny m'a dit est-ce que n'ka dit tout Jodel le Sage commandant en chef l'armée haïtienne, est-ce que yo vraiment mette yo en condition D pour me dire que en position de combat? Parce que pas oublier que yo t'ai demandé monsieur dame l'armée yo pour yo replier puis rentrer dans base pour me dire comme ça et mette yo en condition de combat. Et c'est ça qu'a fait là dans moment. Ouais moment ça là et ça qu'a fait là. La police et l'armée d'Haïti yo mette yo en position de combat et en condition D. Et officier kenyan on en base yo. Yo commencé à étudier stratégie avec autorité policière nous yo avec des experts dans question sécurité en notre pays hein yo commencé à étudier et stratégie gens que pour yo commencer mettre pied à terre hein et pour mener opération avec la police pour yo pas échouer et en même temps tout pour yon pren exactement ciblan ke yon cible yon. Nap di en passant, deuxième contingent officier kenyan yo, yap rive nan pays yon jounen ki se jeudi 27 juin 2024 lan. Ma pridil. Deuxième groupe officier kenyan yo, yap rive nan pays d'Haïti journée jeudi 27 juin 2024 lan jan sa annoncé parce que pas oublier c'est au total 1000 officiers kenyan ka fait partie mission multinationale soutien sécurité ak Haïti c'est 1000 officiers kenyan bien que c'est Kenya ka responsable mission mais Kenya seulement pouvait pas abay 1000 officiers kenyans. Et pas oublier m'te dit déjà. Officiers kenyans sa yo. Yo c'est de meilleurs combattants. Yo c'est de nèg qui mené combat déjà. Nan déchouke gang. Et kenyans sa yo yo gen habitude nan mené de combat. Aider l'autre pays dans la question de les gangs dans le pays. Tant que par exemple Mali. Ok? Il y a des pays Mali dans la bataille contre la question de gang, la caillou. Ça veut dire que c'est des professionnels selon ce que nous apprenons. Mais je dis, qui ça moun yo a dit? Qui ça haïtien qui en dans pays a dit? Qui ça haïtien qui dans diaspora yo même yo dit? Yo dit que
officiers kenyans, la police nationale d'Haïti, FADH, yo doit commencer à mettre vraiment pied à terre, non mener des opérations pour aller déchouquer bandi yo. Ou imaginons que pendant journée jeudi 27 juin, malgré que nèg yo tande que officier kenyan nan payan, n'a prendre que équipe la Mosan jou 400 maozo, nèg yo mette difé nan local commis et meilleur quoi des bouquets. Nèg yo mette difé nan local meilleur quoi des bouquets hein. Et nèg yo boulé ou machine an da di ou camion compressif oui, meilleur quoi des bouquets. Ça veut dire que nèg yo pap grien dan. Ça veut dire nèg yo dit que yo prêt pour yo goumen. Ça veut dire nèg yo prêt pour yo bataille. Est-ce que je dis hein, nous capables? C'est vrai. Qu'a toujours gué de problèmes par rapport avec les moun qui dit que mes amis, nous va pas accepter que étranger vini, nous va pas accepter que mission vini, nous va pas accepter. Mon oui. 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 Nous pas ta droit accepter que mission vini. Nous pas ta droit accepter aucune force étrangère vini en notre pays. Parce que pendant plus que 30 l'année, nous prenons plus que 10 missions étrangères. Mais qui est-ce qui la cause ça, comme toujours dit? C'est d'abord la communauté occidentale, les impérialistes, qui kembe Haïti non véritable instabilité éternelle. Yo kembe Haïti non véritable insécurité éternelle. Yo kembe Haïti avec un ensemble de konze, un ensemble de traite, un ensemble de apatrides éternelle dans pays d'Haïti, notre pays. Parce que y a plein moun ak fòm ak gason qui passe dans notre pays, ou pas haïtien vraiment. L'aime dit pas haïtien. Et pas parce que comme si gen changer nationalité, non mais comme si il y a pas gon que haïtien pour me dire plus tard dit que il a vinn travailler dans bénéfice dans intérêt pays ça, il y a pas gen ça dans tête yo, il y a pas gen ça dans plan yo. Plan yo intérêt yo c'est vinn piller. C'est vinn volo. C'est vinn riche. Pendant ces temps, yo quitté masse défavorisée dans la misère, dans la crasse, dans la souffrance, yo quitté pays dans instabilité, yo quitté pays dans grand goût, yo quitté pays dans souffrance, yo quitté pays dans toute situation que la connaît. Et je dis on croit que faut que nous disions nous. Je dis, faut que nous disions nous. Est-ce que nous avons accepté que pays ça que nous là? Est-ce que nous avons accepté pays ça que nous là? Que un groupe femme agace prend en otage? Est-ce que nous avons accepté que insécurité arrêté comme ça? Et je dis, moi je veux ouais tout nationaliste yo. Je dis à mle ouais, tout patriote yo. Je dis à mle ouais, tout anti-changement yo. Parce que yo en pile. Yo en pile. Ok? Yo en pile. Et je dis, hein, laissez-moi dire non. Et m'vle parler avec nous. Moi m'vle parler avec tout secteur. Moi m'vle parler avec tout acteur. Moi m'vle parler avec tout groupe organisé en notre pays. Si je dis ou voulez que Haïti change,
Si je dis, vous voulez que pays ça, ça que l'a enduré, vous voulez que pays ça, ça que l'a connu, que le pas connu encore, que le pas vivre encore, engagez-vous dans notre Haïti. Engagez-vous là-dedans. Engagez-vous dans l'autre Haïti. Engagez-vous pour l'autre Haïti. Parce que c'est pas chite à paix des plaignants. C'est pas chite à paix des babillés. Mais il faut qu'on pose action tout. Ah oui. Faut qu'on pose action. Faut qu'on montre que ouvrez ça changer et mais qui gens, mais qui moyens, mais qui façon que ou pral engager ou même et ou pral permettre que ça que Haïti a connait là que li fini. Ah oui. Parce que je dis, n'a pas dit clair. L'autre Haïtien est possible. Ok? Oui? Ok? Mon ami qui dit et ordonnis Wilda et bonsoir celle bagarre m'a dit non pas déclaré by bandi yo les la police pral mener opération mais non d'ailleurs nous pas jamais comme ça nous pas jamais comme ça une opération non pas jamais la police mener opération d'ailleurs li pas jamais professionnel tout si la police mener opération pour comme si pour la presse ça connait comme ça et en sérieux tout même les presse ça connait ça un journaliste qui t'a décider dit ça parce que lui-même tout lui accepter que ça gagne là pour pas changer mais nous même ici dans mes nouvelles non pas là pour ça n'a pas nous information en temps réel par exemple reporter nous yo même si les on dans la rue ça qu'a passé sous géo il a informé nous c'est bien reporter nous yo Kelito Claude Snyder yo dans la rue ça qu'a passé sous géo nan moment que yo même yo présent y a dit ça qu'a passé hein mais yo pas là pour d'ailleurs pas près aucun journaliste qui pral ka aller nan pénétration nan zone côté la police pa mener opération pas gen baye comme ça pas gen baye comme ça vous comprenez pas gen baye comme ça et José Alain dit que li plus que important. OK. Li plus que important jodi an pour que la presse là, journaliste frame sem yo. Jodi an pour yo très prudent. Nan information que a bay et nan souci pour al des informations parce que là faut qu'il yo pas déranger travail la police là. OK? Et laisser la police faire travail comme ça doit. Pendant que tout nous-mêmes ici là, comme directeur d'opinion, comme journaliste, n'a toujours mandé la police là, n'a toujours mandé l'armée et même officier bien soldat qui fait partie mission. Eh bien autorité qui prend le cas autorité haïtienne qui prend le travail de concert avec yo, faut yo professionnel pour yo éviter que pour yo pas faire victime innocent dans camp population civile là. Bien que je dis hein, n'apprendre que nek armé yo y a utilisé de stratégie dans moment, y a utilisé de formule dans moment, y a fait pression
sou moun yo nan katye yo pou moun yo pa kite kay yo pou moun yo pa kite zon yo pou moun yo ka rete comme protection pou yo pou moun yo ka rete comme bouclier pou yo lè que la police lè que l'armée lè que mission pramene de opération nan zon sa yo pou yo pa ka diferansye ki est-ce qui c'est c'est civil et qui est-ce qui c'est bandi. Et ça fait jodi an n'a mandé n'a demandé que la police là qu'elle dégage pour le plus professionnel. OK, que la police a dégagé pour le plus professionnel et pour joindre bonne information. OK, pour joindre information en temps réel, OK, joindre information en temps réel et pour que les que pral mener opération yo, les que praler nan ghetto yo pour yo pas faire courater. OK, pour yo pas faire courater et pour que exactement c'est vrai cible qui rejoint. Ça est vraiment important. OK? Yeah. Pour pas faire courater et pour que c'est vrai cible qui rejoint. Parce que dans pratique nèg gab utiliser là. OK? OK. OK. Non. Jacques situation li présenté là, la police doué capable yo même et toute chaîne mais tout et maillon nan chaîne sécurité paysan yo doué mené bon gen opération bon gen information. OK, yo doué jwenn bon gen information et pour permettre que les qui pral mené les pral mené opération yo et pour que opération yo pas échoué pour pas gain échec dans opération yo. Et me songe ici l'âme de dit nous avec désir venesse. L'amour 3 agent Utag 9 juin passé an li ta doué dernier groupe policier qui pour mourir qui pour humilier en bas mes bandits armés. Yeah. Trois agents Utah qui étaient mouris le 9 juin. En dedans, sans fil d'Elma 18. En bas main, équipe barbecue. L'Ita trouvé dernier groupe policier qui pour mourir en bas main bandit. Ça veut dire que faut que bon gens disposition. Faut que bon gens, information, service de renseignement la police là, les qui pral mener opération en dedans une zone, pour que yo jwenn information en temps réel de comment que espace en y est, parce que pas oublier que bandi armé yo nèg yo tan en pile piège en dedans zone yo pour chablende yo les ap rentrer. Nèg yo tan en pile piège. OK. Nèg yo tan en pile piège. En pile piège. Nan quartier côté au contrôlé yo pour policier yo mais pour force légale yo qui pral mener opération yo. Ça veut dire la police doit bien informée
La police doit jouer une bonne information. OK? La police doit bien informer. Je dois jouer une bonne information pour que je pas faire courater et puis pas victime tout dans piège ou dis moi que dans embuscade que bandit autant pour yo. Ça est vraiment important. Ça est vraiment important. Parce que moi dis ça, c'est le dernier groupe policier. Agent Uta qui mourit là yo le 9 juin, lio le dernier policier pour mourir en babal bandit dans quartier côté la police mener opération. Je dis à besoin en synergie. Nous besoin un mariage police population. Nous besoin un mariage police population pour aider la police là. Nan ba la police a bon j'ai information. Nan aider la police là, nan ba information en temps réel pour que la police soit capable agir. Ça est vraiment important pour nous connaître. Ouais ça? Li vraiment important pour nous connaître. La police entre joint bon j'ai information. Information en temps réel et pour permettre que li baye bon j'ai résultat et permettre que li mette main dans pas de cassave bandi armé yo. Mette main dans pas de cassave bandi armé yo. Oui. Mettez main dans pas de cassave bandi armé yo. Et je dis hein, quel que soit bandioté, je dis hein, quel que soit avec groupe que ou te appartient, débouché criminel, débouché bandit, débouché assassin, je dis hein, la police a gagné pour le crier d'avant. Non. Débouché criminel, débouché assassin, la police pas gagné pour le crier d'un avec vous. Et ceci dit, j'aime toujours dire, et pas seulement bandit à sa patio, et pas seulement jeune garçon et jeune femme qui kebe zam en de ghetto, non seulement. Mais moi dis ça clair ici, hein? Moi dis ça clair ici, hein? Et pour ça, oui. Faut que de disposition. Faut que de opération qui mène tout, oui. Yeah. Mm-hmm. Faut que de disposition. Faut que de opération qui mène. Pour démanteler bandi à vers surtout. Mm-hmm. Yeah. Faut que nous démanteler bandi à vers yo. Il aime dit bandi à vers yo, toute qualité forme bandi à vers et dans quel que soit secteur que lié, dans quel que soit groupe que lié, faut exactement faut nous démanteler le tout. Faut nous mener des opérations pour nous démanteler bandi à vers yo. Quel que soit dans la presse, quel que soit dans la politique, il était dans le secteur privé, il était dans les droits humains, il était dans la société civile, il était dans la diaspora. Eh bien, faut nous mener des opérations pour nous démanteler les bandits avec eux, parce que c'est eux-mêmes qui ont alimenté les jeunes garçons et les jeunes femmes en dans le ghetto. Yeah. Parce que depuis pas gagne sitire pas gagne volo. Depuis pas gagne sitire pas gagne volo. Pas gagne volo. OK? Depuis pas gagne sitire pas gagne volo. Et association malfecte malfra. OK. Malfecté, malfra. Parce que
moun ka bay jeune garçon ça aux armes yo pi me, yo pi criminel passé jeune garçon ça toujours. Ah oui. OK. Yo pi criminel passé jeune garçon ça toujours. Moun ka alimenter jeune garçon ça yo en ghetto nan bay aux armes ka tout suit. Yo pi criminel. Yo pi assassin. Parce que malgré t'étendre depuis 29 février, avion pas volé, bateau pas entré. Notre douane cap haïtien, gien saisi zam à 4 ou suite la police a fait. Et ça fait nous mander clairement ici là. Faut que la police, autorité nan plus au niveau dans l'état, renforcer présence agent douanier, renforcer présence la police. Unité qui la pousse yo, nan droit nou yo, nan aéroport nou yo, et même moun ki gen port privé yo, la police a edwe, l'état doit capable mener de opération pour contrôler sa kap entre nan port privé moun sa yo, oui. Moun ki nan, ki nan kontre ban yo, ka fè yo ki ban bagay rentre illégal an nan peyen, et a fè zam ak katouche rentre an nan peyen, fon kontrole sa yo tout, oui. Fon gen de strict surveillance yo tout, oui. Parce que comme toujours dit ici, hein, tout y est ISO et tout chef gang qui vient là, après 10, 15, 20 ans, y a pour retourner, y a bien le cabine bibi, ça passe. Y a bien le capi violent passe. Y a bien dit, faut nous résoudre le problème depuis notre tête et pour empêcher que courant avec pied les contaminer. Je dis à ces marées tout ancien parlementaire, ancien sénateur, ancien député, ancien ministre, ancien président, ancien directeur général, quelque soit dans l'État, ou dans la police, ou dans les citoyens, ou dans le secteur privé, ou dans la société civile, ou dans homme d'affaires, depuis ces gens que nous identifions, qui je dis, contribuent dans la sécurité pays, mais faut nous mener une opération pour le maréo. Maréo tout, parce que yo complice sa guerre comme insécurité. Maréo. Maréo tout. Maréo. Parce que je tiens besoin de sécurité en un pays. Je tiens besoin de la paix en un pays. Nous besoin de monde capable de s'équiler en un pays. Nous besoin haïtien capable de fonctionner comme ça doit en un pays. Nous besoin grand axe routier nous yo, route sud, route nord, en bas mon cabrit et zone gros monde yo débloqué. Nous besoin que la vie nocturne le soir que moun capable fonctionner dans pays. Nous besoin ça. Nous besoin que entrepreneurs, investisseurs qui vivent en Haïti comme haïtiens et comme de étrangers qui déjà en Haïti qui veulent investir en Haïti, nous besoin que capable investir pour créer job, pour créer emploi, pour créer richesse en notre pays. Nous besoin tout haïtiens qui dans diaspora, étrangers qui dans diaspora et qui gagne l'idée, qui gagne volonté pour aller investir en Haïti, qui est capable aller investir dans la paix, dans tête frais en pays d'Haïti. Nous besoin ça. Mais m'a dit non bagaille tout. États-Unis t'a pris sur ba non bourade non. Oncle Sam, ba non bourade non t'a pris. Empêcher zam à cartouche rentrer Haïti non. Ba non bourade. Parce que en pile données prouvées, en pile information prouvée que 90% zam à cartouche sorti ka oncle Sam. Oncle Sam ou gen capacité ou gen moyen pour contrôler zam ak cartouche kap antre en Haïti yo. Qui est-ce qui voye ou gen ou kapab konn qui est-ce qui voye yo? Et moun ki resevwa Haïtien, la konn qui est-ce kap resevwa l? Parce que c'est vrai, n'ap débloqué 2, 3, 400 millions. N'ap voye pile officier étranger. OK. Est-ce que c'est sa cap solution maintenant? Parce que c'est pas jodi à envoyer ça en Haïti. Parce que pendant plus que 30 ans, nous pourra parce que 10 missions étrangères, ça veut dire et pas jodi à envoyer mission en Haïti. Et nous pas innocents tout.
qu'on dit, il y a un artiste qui fait musique là qui dit Washington pas innocent, OEA pas innocent, CARICOM pas innocent, nan misère, entendez, il pas innocent. Gros organisme international ça yo. Yo reme les gens des zones en Haïti. Yo reme les gens pile bande des autres qu'a fait en Haïti yo. Yo reme que les Haïti étaient dans insécurité, dans instabilité parce que y a fait capital yo. Parce que gros bailleurs de fonds yo a décaissé de gros sommes l'argent et l'argent ça va passer dans mes yo, dans mes agences canadiennes, dans mes agences américaines. Et son type réel qui va jouer autorité haïtienne yo et autorité haïtienne yo ça qui de mauvais croyo après a pile la donne et si ça qu'a prêté pas même à jouer vraiment moun qui n'a besoin yo faut dire bagage l'argent là. Ah oui. Et je dis, hein, n'a pas dit clair. Je dis, hein, payant bloqué. Je dis, hein, ok. Je dis, hein, ça paye à vivre là. Même le pape vive en Haïti. Dépoussé haïtien pas qu'à faire bien. Alors, à bien dire, si papa mi moun ka finance sa gen la yo. Mais dépoussé haïtien conséquent. Dépoussé haïtien patriote. Dépoussé haïtien qui croit dans l'autre Haïti. Ça qu'a passé Haïti là pas qu'a fort bien. Non. Ça qu'a passé Haïti là dans moment pas qu'a fort bien. Non, il pas qu'a fort bien. Ça qu'a passé Haïti là dans moment pas qu'a fort bien. Il pas fouti fort bien. C'est grand pile là non. Qui peut dire maman non. Qui peut dire papa non. Qui peut dire sœur non, frère non. Cousin, cousine, non. Neveu, nièce, non. Madame, mari, non. Petite, non. On zami, non. Dans l'insécurité, gen là. Et pas depuis 29 février, non, mais depuis presque 3, 4, 5 l'année, que l'insécurité, ça qui est instauré dans le pays d'Haïti. Et surtout, dans la capitale haïtienne, ou pas qu'à 10 mou pas besoin de prochain. Donc je dis, je voulais que nous comprenions, je voulais que nous conscients. Je dis à moi que Désir Venez pas faire promotion pour Kenya. Je dis à moi que Désir Venez pas faire promotion pour Gary Koni, ni pour conseil présidentiel, ni pour Ramon Ormil. D'ailleurs, nous toujours disons ça. Yon moun sa ou gen da pa même konnen nou même. Et nous konnen parce que c'est autorité. Comme journaliste, n'a fait des émissions débat d'analyse, nous parler de yo. Mais vrai boss nous. Vrai moun ke n'a fait promotion pour li. Ou di mwen que pour ça que n'a fait promotion, li c'est Haïti. Et m toujours dit ici. Vrai que ça n'a fait promotion pour li. Li c'est Haïti. Qui sous cœur. Parce que c'est l'âme faite, c'est l'âme grandie. C'est l'âme fait tout ça que je me fait. Et c'est là que je suis enterré. C'est l'âme qui a gros intérêt. Je ne dis pas que soit ici même, j'avais obligé de mettre intérêt de Haïti ensemble avec. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas pour mettre Haïti à même, j'avais même si c'est haïtien. Ou libre. Ou ge choix ou ka décider ou ka fait ou ka dit ça vle mais moi même ou pa ka empêcher moi reme Haïti pam nan ou pa ka empêcher me parler de Haïti pam nan ou pa ka empêcher me parler pour un changement en Haïti ou pa ka empêcher pour me dire que insécurité qui en Haïti a faut le changer
Ou pas qu'à empêcher pour me dire que je dis, hein, qui est-ce qui bat droit à l'armée sa yo, pour yon tuer Jean Ouvlé, pour yon violer Jean Ouvlé, pour yon craser Jean Ouvlé, alors que pour yon pas mettre dans la tête yon tout, même j'ai tué, hein, même j'ai violé, hein, que yon joué ça en retour tout. Ou pas qu'à empêcher me dire ça. Et m'a pas empêcher de dire ça tout même. Mais m'a pas empêcher tout si ou dit le contraire. Son droit qu'on gagne, et pour respecter le droit qu'on gagne. Ou gè droit ça. Mais moi-même, je dis, hein, moi toujours dis, tout le temps que vous avez accusé la communauté occidentale, l'Occident, et parce que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous sommes au côté pour être capable d'utiliser nous tout. Et parce que nous sommes au côté pour fouiller boucher dans les affaires nous. Mais sinon, si nous comportons comme grand monde, comme un pays qui est indépendant, yo pa tap vin ba nou dikte Jean Ouvlé lè Ouvlé non. Nou pa tap pran puisque 10 mission pendant 30 ans dans pays non. Si que t'es organisé nous non. Si que t'es vle ou l'autre Haïti. Si que t'es dit nous que Haïti ça l'a travail pour changement non. Et m'te dit m'a prédil. Qui fierté que pour nèg jodi vinn dit comme ça pas parler de Kenya alors que t'es arrangé nous le président nous dans pays d'Haïti. Quoi fierté a là. Hein? Hein? Quel que soit problème. OK? Quel que soit problème que ou t'es kagé avec Jovenel Moïse. Regrettez-moi, président paysan. Bon. Si Jovenel était vivant, bien que n'a pas président encore, parce que mandat d'arriver dans le bout de lui. Mais je n'ai que mercredi 26 juin, hein? Ça fait 56 l'année, s'il était vivant. Quand il y a été là, le fait que nous t'ai arrangé, nous. Nous t'es comploté pour nous détruire Jovenel Moïse. Qu'est-ce qui dérange pour nous détruire? Haïtien, oui. C'est deux nègres dans l'oligarque corrompu, oui. Jovenel a pas ton petit saint ou non? Jovenel a pas ton petit Jésus dans le crabe, non? Jovenel a pas ton mouton, non? Parce qu'il faut dire bagarre à la clé, tout. Mais c'est qui est-ce qui a arrangé tout yel? C'est même nous-mêmes comme Haïtien qui a arrangé qui touye lui. Et nous payons de étrangers. Vine touye lui. Jovenel, c'était président d'Haïti que l'été yé. L'été président tout Haïtien. Bon, nous t'es arrangé. Nous t'es comploté pour nous détruire. Nous t'es arrangé. Nous t'es comploté pour nous détruire. Et puis je dis, hein, en pile hypocrite caressant, en pile faux nationaliste, afin nous comprendre que je dis, hein, ou comprendre, pas qu'il y a une fierté, parce que Kenya vini, pas qu'il y a une fierté, parce que. Mais en sérieux, pas qu'il y a une fierté là-dedans. Pas qu'il y a une fierté dans vini mission en Haïti. Parce que si Dessalines était là, Dessalines pas de travail pour ça. Dessalines pas de goumé pour ça. Zasset n'y a pas de goumé pour ça. Zasset n'y a pas de bataille pour ça. Y a pas de bataille pour ça, pas de goumé pour ça. Mais qui est-ce qui l'a cause aujourd'hui qu'on a accepté pour que étrangers toujours mettez pas les sous pour nous? C'est nous-mêmes comme tchoul, comme reste avec. Soit disant dans la classe politique là. Et soit disant comme on est ensemble de boutiquiers, que nous les secteurs privés, nous les grands en Haïti, ceux qui ont boutiquiers qui ont. Nèg yo krasé économie paysan au détriment des peuples haïtiens dans avantage yo. Yo préfère acheter qui bon bagay importé qui plein produits chimiques ap touye haïtien au lieu que yo te mette ensemble, yo encouragé production nationale, yo encouragé agriculture. Kotiye te ay la. M fòm parler avec nous. Moi même ba m comprendre. Pa vinn fè m comprendre.
Quand vous comprendre, nous c'est pigou nationaliste qui existait. Nous c'est pigou nationaliste qui existait. Et c'est même nous-mêmes qui mettons Haïti dans cette salle-là. OK? Après 2004, les ministres sont venus. Comme le président du pays a passé, qui était légitime. Il a passé 5 présidents, 3 présidents légitimes. Pas vrai? Il a passé Préval. Il a passé Martelly. Li va se Jovenel. Est-ce que 3 présidents sont de travail pour que ne pas tourner dans santé là? Et bien avant ça, est-ce que moun ki te passé dans tel pays, hein? Est-ce que vous te travail après 94 pour ne pas gagner une mission vin dans le pays? Hein? Est-ce que vous te travail pour ça? Laisse am de ti moun de peut-être dans 3, 4, 5 ans? Qui ça a été fait? Est-ce que tu es prends de disposition pour te remembrer pays ça? Pour te reconnaître que pays ça c'est grand monde tête li. Et a empêché pour que pays ça pas prendre de forme occupation encore. Ça a été fait rien. Tu t'as volé, tu t'as pillé. Tu t'as fouillé mieux dans mamel là. Tu t'as soucé, tu t'as fouillé mieux, tu t'as fouillé mieux dans caisse l'état, tu t'as soucé mamel là. Parce que je dis, hein, en pile nan yo, yo pren Haïti pour on va chalet. Ah oui. Yo pren Haïti pour on va chalet. Je dis, hein, que problème nan yé? Hmm? Que problème nan yé? OK. Je dis un problème non c'est en non pile nous comme journaliste. Oui, nous d'accord que presse là pas innocent. Presse pas innocent dans sa pays à vivre là. OK. Pas innocent. Presse pas innocent. Mais tout secteur oui. Son pays pour nous réformater oui. Faut nous réformater pays, réformater moun yo. Bon, pas dit pays parce que 27700 km², il va changer. Mais faut nous réformater moun yo. Réformater haïtien yo. Réformater secteur yo. Réformater couche organisée yo. Pour nous gon l'autre Haïti. Mais je dis c'est bon problème. Et mon problème dans mission k'ap vini, dans si dans sa k'ap vini. Mais dans qui est-ce qu'a dirigé? Parce que pas me dit nous bagage, me dit ça déjà. L'organe des conseils présidentiels là, c'est pas de nouveau oui. L'organe des conseils présidentiels là, 9 membres ça yo, c'est 9 moun qui passaient dans l'état. Et yo pas novice dans l'état. Mais en garde passé bilan, qui ça a été fait non parce que était occupé, là était dans l'état. L'organe des gouvernement connil bah connait non mais 90% dans moun yo c'est des moun qui étaient passés dans l'état en garde bilan passé yo et pas novice dans l'état qui ça bilan passé yo yé? Mais je dis hein est-ce que yo vini est-ce que yo vini pour faire un bagage pour pays ça ou dis moi est-ce que yo vini pour vinn voler ou dit monsieur yo vini pour déchirer l'état. Est-ce que yo vini pour venir servir les haïtiens et ça pour me poser comme question. Parce que ici là je que toujours dit moi même avec désir venez. OK. Moi même avec désir venez. Nous pas venir mérer mon ici. Il y a une bonne information, on analyse et on a tout bagage la gens liés. OK? Yeah.
Nous avons une bébé et mon ici. Et je dis, nous ne pas marrer dans pied étape aucun municipe. Non. Nous ne pas marrer dans pied étape aucune femme à garçon ici. Non, nous va pas nous servir ça. Si nous marie, OK? Si nous marie, nous marie dans pied tabou. OK? Si nous marie, nous marie dans pied tabou ou même qui prend temps ou même qui prend sang pour garder nous. Je dis en pile secteur, en pile acteur, levez royaux pour yo dire yo bouquet. En pile secteur, en pile acteur, levez royaux pour yo dire yo pas capable encore. Pour yo dire yo à bout. Yo besoin la paix. Yo besoin la vie capable reprendre en dans pays. Yo besoin la paix. Yo besoin la vie capable de reprendre en dans pays. Et si je dis là, si je dis, si je dis, nous voyons ça qui a passé dans pays. Et ça fait, messieurs, dames, soit dans le conseil, ça y est, le gouvernement connu, non? OK? Nous ne venons pas là pour venir toucher juif privilège l'État. Nous ne venons pas là pour nous toucher, pour nous jouir ensemble privilège l'État. OK? OK? Puis donc, je dis en là. Je dis en là. On croit que nous toutes, nous sommes capables de comprendre. Je dis en là. Nous toutes devons mobiliser. Nous toutes devons essayer de garder comment pour nous jouer, comment pour nous rendre ça gain là qui gagne réponse qui va avec lui. OK, je dis, c'est Goumen. Je dis, c'est nous chaque. Qui vous comprenne, c'est nous tous qui vous comprenne. Gardez degré importance. Gardez degré engagement. Okay. Degré importance. Degré engagement. Responsabilité
pour nous arriver résoudre, pour nous arriver freiner ça gain là. Et m'a dit réseau de sécurité hein, li pa seulement travail la police, li pa seulement autorité qui la yo, OK, li pa seulement travail la police, li pa seulement travail gouvernement ou dimanche que travail conseil présidentiel yo, ni l'armée ni mission qui vini là. Il se travaille nous tout. Qui vle? Tade bien. Travaille nous tout. Qui vle? Nous tout qui vle que ça change. Nous tout qui pour ou l'autre Haïti. Nous tout qui croit non l'autre Haïti. Parce que ça qui arrive. Gena nous qui pas vle ba ou change. Gena nous qui pour ta toujours gen situation Haïti. Mais pas oublier en pile diaspora qui pas dans pays a voulu bagarre changer, en pile diaspora qui pas dans pays a voulu bagarre changer, parce que gagne 10 ans, gagne 10 ans, gagne 15 ans, gagne 20 ans, gagne 30 ans dehors, yo envie entrer la caillou, yo envie entrer la caillou, OK, qui dit gagne 10 ans, 15 ans, 20 ans yo quitter pays hein, et les autres qui quitter là c'était pour mauvais la vie, peut-être jodi ta remet font tourner Haïti. Mais malheureusement, on n'est pas jamais changé. Il y a toujours qu'il y a un espoir. Espoir fait vivre. Mais malheureusement, semble comme si espoir n'a pas les fait vivre pour Haïti. Semble pas pour demain. Merci tout le monde. N'a croisé dans l'autre émission, émission Calfou Vérité, avec collaborateur Désir Venesse. Merci tout le monde.